retrouve aujourd'hui et maintenant et à 7h. Voilà, pour un mini petit retour de course. Parce que alors j'ai calculé, on comptait refaire les courses aux alentours du 27. Mais j'ai pensé, il y a la prime du gouvernement. Donc j'ai peur que ce soit un petit peu la cohue dans le magasin. Donc là, on est allé au Leclerc et on a pris du 27 jusqu'au 29 inclus et on ira tranquillement le lundi faire nos restes de nos courses pour la semaine suivante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on a fait la journée karaoké. Donc on se retrouve deux vidéos dans la journée. Voilà. C'est pas grave, on adore ça. Voilà. Vas-y, commence. Alors, mais aujourd'hui, on vous présente l'arôme vanille. Oui, on l'a pas retrouvé. Parce que, alors, on l'a acheté, on l'a payé, mais impossible d'y remettre la main dessus la dernière fois. Donc voilà, l'arôme vanille de Vainé. C'est ça. Ici, nous avons de la crème délice. Ici, nous avons des chaussettes. Alors, on a dû prendre nos rayons enfant pour chérie. Bon, il fait du 43 en chaussettes, mais comme les rayons normaux sont fermés, on a pris du 36... normaux, pardon. On a pris du 36-40. Bon. C'est pas sa taille, mais bon, ce sera toujours mieux que rien, vu qu'il a plus une seule paire de chaussettes qui est en bon état. Ça, oui. C'est pour une potée aux choux. C'est pour ce soir, parce que, non, l'autre fois, j'ai pas vu les poissons panés que j'ai pris. Il y a de l'épeautre. Et donc, il ne peut pas en prendre du coup. Donc, il s'est pris ça, une potée aux choux à la place de Marc-William Sorel. C'est pas grave, j'adore la pâte aux choux. Vas-y. Ou pas. Alors ici, nous avons une superbe soupe. Mais elles sont nouvelles, celles-là, en plus. Ils en font la pub en ce moment. Liebig, velouté de légumes et crème. E142, c'est quoi comme légumes? Dans la pub. Ah oui, la pub. Non, là, alors dedans, vous avez de l'eau, des carottes, des potirons, de la purée de tomates, 4,5% de crème fraîche, pommes de terre, beurre de cuisine, sel, oignon, et bon, il peut contenir des traces de céleri, blé, gluten et œufs. Mais je m'en fous, c'est pas des frais coq. Non, il n'y a pas de conservateur dessus. Non, c'est vrai. Non. Tant mieux. On ne va pas s'en plaindre. Non, c'est sûr. Tant mieux. J'ai envie de dire. Vas-y, vas-y. Alors, pour celle-là. Ah, nous avons pour chérie. C'est une bon. Petite confiture de 220 grammes, bonne maman, caramel, fleur de sel de Guérande. Oui, parce que je ne trouve plus la confiture de lait dans tous les magasins, dans tous les rayons. Aucune confiture de lait, je veux savoir, peut-être qu'elle a été victime du corona, je ne sais pas. Mais bon, j'ai trouvé quelque chose qui se rapproche de la confiture de lait. Donc c'est caramel, fleur de sel. Voilà, c'est bonne maman qui fait ça et c'est pas très cher non plus. Hein. Combien? 2 euros hein. Je vous mettrai les prix exceptionnellement sur ce retour parce que c'est un petit retour. Là, nous avons de la crème fraîche marque Dissini. Oui, j'ai voulu me faire un petit plaisir. Voilà. Bon, faut dire... Allez, on va pas se mentir, tout ce qui est produit Dissini, c'est super bon, quoi. Mais elle était pas très chère, je crois qu'elle était à 1,70, un truc comme ça. Elle est pas tellement chère que si vous prenez au final de la marque en crème fraîche. Une fois, avec celle-là, j'ai fait du beurre. C'était trop bon. Ouais, c'est vrai. C'était avec l'autre, la plus épaisse. Oui, le pot était plus gros. Ouais. Vas-y à toi. Ouais. Surprise, non, du tout, des mousses liégeoises pour madame. Ça, c'est bon. Eh ouais. Madame aime des mousses liégeoises au chocolat. Vas-y, vas-y. Des petites compotes. D'un Leclerc à l'autre, c'est pas le même packaging. Pourtant, c'est exactement les mêmes. Et ça, elles sont alors sans sucre ajouté, toujours par 12 petites gourdes. C'est même que dans la fois, quoi. Ouais, mais c'est... ils ont changé le packaging. Oh, merci. Il est plus mignon celui-là. Ici, nous avons des tomates. Deux petites tomates, ça c'est pour une tarte à la tomate. Ah, elles sont belles. Hein. Attends, et. Ah, elles sont dans la voiture, elle n'a pas de feuilleté, il a pas brisé. Hein? Tu peux aller me les chercher sinon, c'est... Bah, après. Et non, ça il sera pas quand je vais mettre le prix. Mais je t'attends. On continue pas l'instant. Je continue mon côté. Une margarine. Ça, pour le matin, comme il se fait des tartines ou pas, des fois, c'est bien utile. Des patates. Je savais qu'il me refallait des patates. Pourquoi il me refallait des patates? Je ne sais pas, mes lunettes, c'est pratique. J'y vois pas. Donc, ça ne me... Alors, c'est pas un gratin.
ça veut pas, ça veut pas. Ensuite, nous avons un petit mélange à pizza. Ça, c'est très bon. À l'intérieur, vous avez de l'emmental, du comté et de la mozza. Et il fait 125 grammes. Mais qu'est-ce que c'est bon? C'est une tuerie. Là, j'ai repris des tartines petit-déj pour chéri. Il n'y avait plus de pain demi sans trace de fruits à coque. Donc à la place, j'ai pris des petites tartines moelleuses comme ça. Elles sont briochées. Elles sont vraiment pas mal. Et ça, c'est où? Elles sont faites en Auvergne. Et dedans, vous non, avez... Elles sont pas. Ah, elles sont là. Avec une livre. Elle m'a fait sortir pour rien. Non, mais je pensais qu'elle était alors là. Non, mais c'est pas croyable. Et dedans, je vous disais, vous avez 450 grammes. Ici, nous avons des gerbes Vita. Ça, c'est mes préférés. Je me dis que c'est la même chose que l'autre. En marque repère, c'est les mêmes. Je suis pas sûr. Ouais. Et bon, un petit peu des barres de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ici, nous avons des sticks à l'endroit assez meilleur. De Nesquik. Voilà, ça se présente comme ça. Hop. Tu vois, c'est gros quand même. Donc, c'est quand même assez gros. C'est pour deux bols. Oui, parce qu'on leur dose, on n'est pas trop. Là, trop. Un livre de relaxation pour monsieur. Oui, enfin, c'est du coloriage. Du coloriage. Il faut bien s'ennuyer quand même. Hein. Bon, allez. Et dedans, il y a combien de pages là-dessus? 62. Il y a 65 pages, ça va. Quoi? C'est génial. La pâte feuilletée, la pâte brisée. C'est le cas, m'a fait couvrir pour rien. Okay. Ici, nous avons des la laitière façon petit biscuit. Oh! Parce que moi, pas touche. Non, mais je ne toucherai pas. Mais tu pas me touche. Dis. Pas touche. Je dire... Ah, mais t'as pas regardé la date. De pas promotion. Touche. Ça va, 26-11. Demain, il n'y en a plus. Non, mais c'est. Oh, celui-là, c'est pas pour maintenant. Hein. Non, mais. Des aiguillettes de poulet pour le petit risotto. Et la mayonnaise. Bon, vous savez que un retour de course sans mayonnaise, c'est pas possible. Vas-y. Du chili con carne, parce qu'elle veut pas que je le fasse moi-même. Ça revient moins cher de l'acheter en boîte. Si donc, et comme on doit faire des économies. Voilà. Et dedans, vous avez quand même 820 grammes. Donc pour nous, pour 4, ça fait largement. Parce que les petites, ouais. Ça ne mange pas. Il y a 600 pour moi. Un risotto avec le petit riz à risotto. On a pris le petit format de 500 grammes. Il est bon celui-là. Il vaut largement le taureau. Il est... J'ai repris des petites Milka pour moi. Alors une Milka, vous avez jamais dit, mais vous en avez 8 dedans parce que c'est des grosses. Bien sûr, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais c'est tellement bon. Ou dans la dosette. Et ça, c'est le lot qui s'est repris, ce sera pour tout le monde, des petits feutres. C'est pas fait. Dedans, il y a... Si, je vais montrer ça. Il y a 24 petits feutres, ils disent ultra lavables. Ça, je demande à voir. Je sais pas en plus comment ils sont. Ne casse pas tous les micros. Attends, c'est quoi? Bon. C'est ultra lavable. Non. J'ai plus de produits. Les couillons. Ma foi, ultra lavable, à ce qui paraît. Oh, ils font mal ceux-là, dis-moi. Je parlais sur les mains des enfants. Et moi, c'est sur le front. Ah là là. Ah ben, c'est fou. Alors, on a fait un mini retour de course. Il a plus duré que quand on a fait des longues, des fois. Donc, alors, pour ce retour de course, on a eu pour 56 et des poussières. Et bon, je vous afficherai tout. Mais les poussières, on les voit pas. Hein. Voilà. Alors, écoutez, on vous fait de gros bisous. On vous embrasse très fort. Et on vous dit à demain. À très bientôt. À demain.